Maroella, Jordi, MP, MP4 ou MP0, je crois que c'est MP0. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un nouveau jeu qui est sorti aujourd'hui. Sauf que moi, hier, j'ai été chercher mon colis. Et comme vous êtes en train de voir, il y a un joli carton par ici. Et à ce niveau-là, j'en fais une vidéo. Vous me connaissez sur ma chaîne que les Unboxing Collector, c'est la chose que j'adore assez souvent. Actuellement, j'ai quand même Mafia 3, Division 2, Watch Dogs 2, Call of Duty, Modern Warfare 1. Et aujourd'hui, un nouveau collector qui vient se rajouter dans ma collection. Et il s'agit d'un jeu de braquage. Et je pense que aujourd'hui, je vais utiliser des gants pour pas laisser mes empreintes. Voilà. Et je sais que vous êtes en train de me dire, mais est-ce que je mets des gants, c'est la première fois. En vrai, j'ai tellement envie d'en prendre soin que même des collectors que je trouve vraiment stylés, bah, ça m'arrive que des fois je mets des gants. Et aujourd'hui, bah, le voilà, la petite merveille que j'ai été chercher hier à Micromania. Hier, vous êtes tombé sur ma vidéo du casque Bose. Je pense que ça me plaît assez bien. Voilà. Il est magnifique. Voilà. Et aujourd'hui, bah, on va le déballer direct et on va voir à quoi ressemble. Alors, je l'ai ouvert, mais pas genre ouvert avec le plastique. J'ai ouvert seulement le carton en fait. Ah, je suis choqué. Et ce qui va me changer largement, c'est que bah, en vrai, le truc négatif du jeu, au cas où si vous vous renseignez et que vous dites ouais, est-ce que vous allez le vendre ou pas, c'est que il y a. Le jeu, il est déjà au-dessus. C'est-à-dire qu'en dessous, vous savez ce qu'il y a. Vous avez déjà le petit collector, le petit jeu qui est juste là. Et ici, vous avez plus de 18, Playday 3, avec ici, peut-être le logo de l'entreprise qui fait ça. Vous voyez, c'est une boîte. Après, c'est une jolie boîte. Je ne sais pas comment l'ouvrir après. Mais je pense qu'en vrai, on va tirer comme ça et on va l'ouvrir. Allez, je vais le faire maintenant. Et voilà mes amis, alors j'ai pu le défilmer. Alors, au début, nous avons Playday 3 Collector Edition. Ici, vous avez un numéro. Je crois que c'est ouais, c'est ça. L'authentifiant du pack. Alors, je pense pas qu'il est limité, mais je suis pas vraiment sûr. Mais ça veut dire que si je dois vendre le jeu, je dois vendre le pack. Et quand vous me connaissez bien, les amis, je vais pas revendre le jeu. Je revends vraiment, je les garde même. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le jeu. Ici, nous avons, alors, ce qui est bien, ce que je viens de voir, c'est qu'il y a le Gold Season Pass. Voilà, le Gold Season Pass. D'accord. Est-ce qu'il y a un pass de combat? Peut-être, ça pourrait le faire. Alors, je vais pas vous montrer le code, mais voilà. Là, il y a trois variantes, trois trucs, alors vous inquiétez pas, il n'y a pas le code là, mais il y a le masque, peut-être de la mairie, peut-être de tout, en or, et des gants. Je pense que c'est par voir l'édition Gold Ultimate qui est juste là. Et ici, il y en a un autre qui est un masque violet, peut-être avec un costume, comme le style de mode Joker, mais pas genre trop voyant, oui. Ça peut ressembler à ça. Alors on va passer vraiment beaucoup de temps dessus, je peux dire, parce que Galore, ça c'est pour vous, mais c'est pas prochainement. Aujourd'hui, je commence à en avoir un peu ras-le-bol des LDD. Enfin voilà, je pense que vous avez compris. Et ici, allez, on va le déballer. Alors, déjà, vous avez le carton, je pense que je sais même pas si je vais vous montrer, mais peut-être sauf si vous en foutez. Ici, vous avez Playday 3 18 ans, le logo Playday 3, et derrière, vous avez toutes les infos sur, sur le truc. Voilà. Ouais, le genre, ouais. Et tout ça en garde, ouais, de base. En carton. Enfin, sauf le gros carton au moins. Ici, vous avez Playday 3 en or. Voilà, avec des boîtes en or, il n'y a rien d'autre autour. Je pense que ça va. C'est quand même. Et l'odeur du masque, ça me fait toujours ce coup-là, mais je l'adore. Ah, il y a de la mousse. Ça, c'est encore du capot. Et ici. Les amis, voici mon nouveau masque de braquage.
Et vous, c'est quoi? On va rester comme ça jusqu'à la fin. Et après, est-ce qu'il y a autre chose? Je crois qu'il y a des choses en dessous. Hein. C'est bien, hein. C'est un peu costaud, un peu posé de marque, mais comment ça peut être? Alors, sachet de drogue, comme d'habitude. Merci les développeurs chinois pour le mettre de la gueule. Je déclare avec les hommes en roman. Voilà. Alors ensuite, nous avons le socle pour poster le mât. Et mais en vrai, je ne sais même pas si on m'entend bien, mais ça pourrait faire comme ça. Là je bouge, je vais le mettre. Ouh. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Une petite enveloppe. Ouais, mais moi j'ai pas envie de le casser, ouais. Chaque producteur qu'on peut avoir. Merci beaucoup. Bon, je vais déjà apprécier, mais c'est pas grave. Alors ici, nous avons une lettre avec un petit logo. Voilà. Je pense que c'est la marque de l'entreprise. D'accord, elle n'a fait pas écrit en français, mais ça fait un peu chier. Je pense que je vais utiliser Google Traduction et voilà. Payday 3. Je pense que c'est pour nous remercier d'avoir acheté le collector. Je pense qu'il y en a quelques chose qui l'ont acheté. Et voilà. Ouh, après il fait un peu chaud. Ça fait un peu chaud. Ça fait un peu chaud. Ici nous avons des plaques. Moi je sais pas ce que c'est ce qu'on. Alors, je déballe tout hein, parce que comme d'habitude dans chaque vidéo. Ah d'accord, c'est plusieurs autocollants. Ah oui, c'est des autocollants, voilà. Des autocollants Play D3. Alors, ça je vais le poser à côté. Nous avons ici des clous qu'on peut savoir. En dessous, en couleur. Le mot Play D3 en x3. Vous avez les autocollants complets et les autres. Encore des autocollants, de l'argent. Je pense qu'on comprend tout ça. Voilà. Et en plus, je vais laisser ça. Alors, quand on est un collectionneur de jeux vidéo, on connaît le principe de jamais les coller. Pourquoi? Parce que c'est un truc bah, qui ne savait pas trop de son valeur. Et moi j'adore. Bah c'est pas. Je fais pas tout ça pour l'argent, vous n'achetez pas les jolis. Mais j'adore son concept. Ça, je pense que je vais même mettre la lettre dedans. Peut-être que je vous montrerai les gars. Voilà. Peut-être un truc collé pas. Ici nous avons des paquets de cartes, c'est un peu dommage. Hein, j'aurais bien voulu. J'aurais pas envie de les déballer, juste pour ça. Et je pense qu'il y a peut-être quelques TikTokers ou YouTubeurs qui les ont déballés, alors je sais pas. Moi je vais les garder comme ça. Et voilà. Ouais, je vais pas les déballer plus, après il y a presque rien. Peut-être des choses en dessous. Voyons ça, ouais, c'est pas mal. Non, il n'y a rien d'autre, voilà. C'est vu. Ouh, alors, allez, vraiment attendez. Le masque, il est vraiment magnifique. Et je pense que plutôt comme ça, ça pourrait être ça. C'est peut-être du mauvais côté. Attendez, ouais. Je pense que c'est du mauvais côté. En vrai, je sais pas comment ils le mettent sur l'image. Mais voilà. Faire comme ça, voilà à quoi pourrait ressembler. Alors après il y a le gros truc derrière qui coince qui s'affiche, mais je pense qu'il faudra juste le resserrer ou quelque chose pour le coincer. Voilà. Fouf. Bon allez les amis, je pense que ce sera la fin de la vidéo. On va tout ranger correctement pour pas abîmer plus hein, parce que bon, mon but c'est de garder assez longtemps jusqu'à la fin de ma vie hein. Si un jour je peux aller au paradis avec tous mes collecteurs, je suis pas content, comme ça on n'a pas besoin de déménager tout à fait comme ce que je suis en train de faire. Mais voilà. Alors maintenant je sais que la vidéo devait être avec
un de mes amis. Sauf que il n'est pas là. Voilà, il avait autre chose à faire. J'espère que pour le prochain il sera là. Et pour le prochain collector, je ne sais plus des dates. Mais on va savoir ça un peu plus tard. Voilà. Allez, rentre ici. Yes. Voilà. Le collector, il est comme ça. Ça ira dans ma déco. Et nous, on se retrouve prochainement, pourquoi pas en live, si vous me voyez sur Twitch, au cas où, Playgate 3. Et on verra ça directement. Peut-être qu'il y aura d'autres vidéos qui se feront au dernier moment. On va savoir. Bah, c'est avec mon budget à moi, mais voilà. Allez, je vous fais des bisous à tous et à très bientôt.